Good afternoon, bonjour. My name is Louisa Treborak. Mon nom, c'est Louisa Treborak. And I'm just under the fig tree. Et je suis juste sous le figuier, with tiny leaves coming right now, avec des petites feuilles qui commencent à sortir. And some people would argue that it's always a good place to be under the fig tree, because it's so symbolic of blessing. Et certaines personnes pourraient dire, ah oui, c'est vraiment le bon endroit où se trouver, sous le figuier, parce que le figuier, c'est vraiment toute une symbolique de bénédiction. And I wanted to share a blessing that happened to me yesterday. Je voulais parler d'une bénédiction justement qui m'est arrivée hier. You might know that I'm a bilingual writer. Peut-être vous savez que je suis autrice bilingue. And I planned to write for a literacy competition. Et là, j'avais prévu d'écrire pour un concours littéraire, which ends end of May, qui se termine à la fin mai, about women, special women heroines that would be committed to something that matters. Et c'est pour écrire donc une fiction, mais autour du sujet d'héroïnes qui ont vécu une vie qui avait du sens. And in my family, my grandmother's cousin. Et donc dans ma famille, la cousine de ma grand-mère. Her name is Pierrette Louin. Her name is Pierrette Louin. She came into special commando that was working for transmission during World War II. She was working in a commando pendant la Seconde Guerre mondiale. And their name was Merlinette. And the names, Les Merlinettes, came because they were under the super jurisdiction of commander called Merlin, a colonel Merlin. And elles étaient sous la juridiction du commandant Merlin ou colonel Merlin, qui était basé à Alger et qu'ils avaient formé dans les transmissions. He was based in Algiers. And he trained those ladies into transmission. And with several ladies, she went to London for the WAF. And four ladies were parachuted over Paris. Donc elles sont parties à plusieurs filles pour être formées chez les WAF, donc les femmes qui travaillaient dans les transmissions au niveau de l'armée britannique. And so with those ladies, Marie-Louise Cloarec, donc avec Marie-Louise Cloarec, two others, let me find them, et avec deux autres, Eugénie Diendi, so les deux autres, Eugénie Diendi et Susan Mertzi Zen, they were parachuted over Paris for a special mission. Elles ont été donc parachutées sur Paris, and they were betrayed and they were all killed in Ravensbrück in Germany. Et donc comme elles ont été trahies, elles ont été capturées et emmenées en déportation au camp de Ravensbrück en Allemagne où elles ont été exécutées. And because she's part of my family, even though my grandmother didn't really know her, she was just a faraway cousin. Et alors qu'elle fait partie de ma famille, même si ma grand-mère ne la connaissait pas forcément personnellement, elle savait peut-être juste qu'elles étaient cousines, tellement c'était des grandes familles élargies. But I thought that could be a right tribute to talk about that Pierrette Louin and her three other friends. Donc d'écrire un roman, de parler de Pierrette Louin, lui rendre hommage et elle et ses amis. And so I took some books which were supposed to feed a bit of what was that writing. Et donc j'avais préparé quelques livres que je voulais lire autour de ce livre. This one, Bread Upon the Waters, at Bethany Publishers by Anne de Graaf. Donc celui-ci, Jeter son pain sur les eaux, de Anne de Graaf. It's rather an historical romance, I believe, in Germany. Donc c'est plutôt une romance historique qui se passe en Allemagne. Donc c'est plus le contexte allemand que vraiment le contexte français. And this one, A Distant Melody by Sarah Sundin.
Donc celui-ci, une mélodie un peu à distance de Sarah Sundin. The publisher is Revel, huge US publisher. C'est donc une maison d'édition américaine. And I read a lot of books from another author called Laura France and this publishing house, but I never read a book from Sarah Sundin already. Donc j'ai lu beaucoup de livres en fait chez Revel, notamment d'une autrice qui s'appelle Laura France, mais Sarah Sundin, non, j'ai encore jamais lu. And yesterday I went on a Zoom call for the West Coast Christian Writers Conference. Et donc hier j'ai participé à une réunion Zoom, une rencontre Zoom de la conférence d'auteurs chrétiens de la côte ouest des États-Unis. And who was hosting, one of the co-hosts of the meeting was Sarah Sundin. Et donc une des personnes qui accueillait en fait les écrivains, c'était Sarah Sundin en personne. And so there were about, I don't know, 70 American ladies and two Europeans, one from Finland, and it was 4 a.m. for that Finnish lady. Donc il y avait à peu près 70 américaines, et donc il y avait on était deux européennes, il y avait une finlandaise pour qui il était à peu près 4 heures du matin, and there was me, the French, and it was 3 a.m. et moi c'était 3 heures du matin. And so all these beautiful American ladies were, oh, so welcoming, a French and a Finnish, welcome. Et donc elles étaient si accueillantes, ces américaines, une finlandaise et une française, bienvenue. And I really considered it as a special treat because this Sarah Sundin book was the next that I want to read. Mais j'ai vraiment vu ça comme une bénédiction, un cadeau du ciel, parce que vraiment le livre de Sarah Sundin, c'est le livre que j'ai prévu de lire quand j'aurai terminé celui que je lis en ce moment. Donc voilà, c'est un partage de petits bonheurs. It's just sharing tiny joy and tiny happenings, and I'm still wearing my rugby jumper. Je vois aussi dans les petites joies, je porte encore mon polo rugby. And among my little joys, it's training 6 years old and 5 years old kids in the game of rugby. Et donc dans mes petites joies, il y a aussi d'entraîner des enfants de 5 et 6 ans au rugby. Oh, you might hear my chicken saying maybe it's enough. J'entends les poules là, peut-être qu'elles disent que c'est assez. So I'm going to just shower you with blessings, and well, I just pray that I'll be inspired because I want to write inspired books. Donc je prie juste que mes livres soient inspirés, enfin ce prochain livre que je vais écrire soit inspiré, parce que c'est quand même vraiment ma quête d'écrire aussi des livres inspirés. Much blessings. Soyez, bénis dans tout ce que vous faites. Bye bye.